C'est avec la salutation de la paix, la salutation de la fraternité, la salutation qui transcende toutes les barrières linguistiques que nous vous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 11 mars 2024, premier jour du Ramadan 1445 de l'Hégire. Vous êtes bien sûr Magic Pro TV et tout le Ramadan, vous le savez, nous entamons cette émission-là qu'on appelle le quiz Ramadan pour aller voir si nos fidèles musulmans connaissent bien la vie du prophète, connaissent bien le Saint-Coran ou connaissent bien Allah Azawajal ou en un mot s'ils connaissent l'islam. Alors nous sommes dans la rue aujourd'hui, nous sommes à Abobo Dokui. Alors nous allons poser la question suivante aujourd'hui. Quand il est l'heure de la rupture du jeûne, que doit faire le fidèle musulman? Trois propositions de réponse. Première proposition, est-ce qu'il doit attendre 5 minutes avant de rompre le jeûne? Deuxième proposition, est-ce qu'il doit se précipiter pour rompre son jeûne? Troisième proposition, est-ce qu'il doit d'abord faire 2 rakats avant de rompre ce jeûne? Donc c'est cette question-là que nous allons vous poser aujourd'hui. Alors on vous rappelle justement que le quiz Ramadan est sponsorisé par Real Mix et l'autre sponsor c'est Hydra Voyage, votre agence de voyage. Alors si vous êtes prêts, on y va tout de suite. Maman Sanfo Djenabou. Slama ni suntige wakati sila slama kwenye kafanyi maliki. Slama kanga le kasuntige, i kanga le katasa gita folo, kana besuntige lerima, kasuntige, ni kasuntige, iwe fitri seri, kasoro kabaga ni feumi, sini iwe suntige ni Lipton be, iwe sika Lipton me, ni kanga le ba be, iwe kanga le ba me, ni kanga le ba me kaba, kasuntige pisi, tere mwa mankene, ni kasuntige ni gigla seni. Ama imoro farima, meni Lipton beweza kaka ngalaba tangu mi ni kumi kaba, iwe seli ni kafituri seli kaba, beso lakini ya bagami ni mugojiwe, ah mochuta le mugojiwe, iwe mugojimi, iwe baga kalama mi, mi me, iwe taka sudlonge seli, ni kafisamfu seli sisa, iwe soro kana tola bansi sa. Mwa iwe ni bega kaso kada seli. Moi, c'est le frère Pogo Adama. Pogo Adama. Oui. Alors, on a une question pour toi. D'accord. Alors, tu es un musulman. Quand l'heure de rupture arrive, on dit que c'est 18h30, on doit couper le jeûne. Oui. Normalement, le musulman doit faire quoi? Première proposition, est-ce qu'il doit attendre 5-10 minutes avant d'aller couper? Ou bien il doit courir rapidement, aller couper? Ou bien il doit faire 2 rakats d'abord pour remercier Dieu avant d'aller couper son jeûne? Voilà, alhamdoulilah. Merci beaucoup pour la question. À mon humble avis, je pense que quand il est l'heure de la rupture, on rompt d'abord ce jeûne et puis après on fait les 2 rakats avant la prière de 18h. Merci beaucoup. De rien. Alors, M. Sawadogo, on a une question pour vous. Oui, oui. D'abord, bon mois de Ramadan. Merci, à vous deux. Alors, en tant que fidèle musulman, normalement, quand l'heure de rupture arrive comme ça, là, qu'est-ce que le musulman doit faire? Première question, est-ce qu'il doit attendre 5 minutes avant d'aller couper son jeûne? Deuxième proposition, est-ce qu'il doit, quand l'heure arrive, il doit courir rapidement à le couper? Ou bien troisième proposition, il doit faire 2 rakats avant d'aller couper? Non, quand il est l'heure, tu dois couper le carême. Soit tu prends l'ablution avant l'heure, et puis tu t'apprêtes. Dès qu'il est l'heure net, tu coupes ton carême. Tu coupes ton carême. Oui. C'est la bonne réponse. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. Monsieur Kamara Bouaka. Alors, Monsieur Kamara Bouaka, bon mois de Ramadan à vous. Merci beaucoup. Alors, la question qu'on aimerait vous poser aujourd'hui, un fidèle musulman, quand l'heure de la rupture du jeûne arrive, qu'est-ce que le musulman doit faire concrètement? On a 3 propositions de réponse. Hein. Est-ce qu'il doit attendre 5 minutes avant d'aller rompre son jeûne? Ou bien, quand l'heure arrive net, il doit courir pour aller rompre son jeûne? Troisième proposition, est-ce qu'il doit prendre l'ablution, faire 2 rakats d'abord avant d'aller rompre son jeûne? Normalement, un musulman, s'il est l'heure de rompre sa jeûne, voilà. Il doit normalement, un musulman doit être, s'il est presque là, il doit être à l'ablution d'abord. Voilà, s'il est là, si on fait azan, il doit faire son doigt, il prend au moins 5 minutes pour faire son doigt avant de rompre sa gêne. Voilà. Merci beaucoup. Non, de rien.
Docteur Sidibé Mohamed. Alors Monsieur Sidibé Mohamed, aujourd'hui nous avons une question pour vous. D'abord, bon mois de Ramadan à vous. Hein. Merci. Voilà, on a une question pour vous. On dit quand il est l'heure de rompre le jeûne, qu'est-ce que le musulman doit faire concrètement? Il y a trois propositions de réponse. La première proposition, est-ce qu'il doit attendre 5 minutes avant d'aller rompre son jeûne? Ou bien quand l'heure arrive, il doit aller rapidement aller rompre son jeûne? Ou bien dernière proposition, il doit prendre l'ablution, faire 2 rakats avant d'aller rompre son jeûne? Donc il est recommandé pour chaque musulman, quand il est l'heure de couper le jeûne, pour ceux qui coupent le jeûne à travers le temps, eux ils ont leurs principes pour couper le jeûne parce qu'ils ne sont pas informés en temps réel. Mais ceux qui ont la possibilité d'être proche de la mosquée ou de la radio pour être informés, il est recommandé à tout musulman quand tu entends seulement Allahu Akbar d'aller couper, d'aller rompre le jeûne rapidement. Merci beaucoup. Oui. Voilà, quiz Ramadan pour cette première journée de Ramadan, c'est terminé. On va se donner rendez-vous demain pour un autre quiz avec d'autres fidèles musulmans. Et vous avez compris à travers ce quiz-là que beaucoup de fidèles musulmans connaissent leur religion. On a eu beaucoup de bonnes réponses, donc nous disons vraiment merci à tous les fidèles musulmans et continuez toujours à suivre Magic Pro TV. Nous saluons très spécialement nos sponsors officiels qui ne sont que Real Mix et l'agence Hydra Voyage. Merci à toutes et à tous et puis rendez-vous demain.